D'abord, il y aura un référendum pour le oui ou non à la souveraineté du pays, qui va se faire le 4 novembre 2018. Donc en 2008, ils ont commencé à faire, euh, ont mis en place une loi pour la vente libre des armes. Donc euh, ce qui se fait, c'est que n'importe qui, depuis 2008, pouvait aller d'abord aller voir un médecin généraliste, faire un certificat médical. Et après, à partir de là, se rendre dans une armerie d'acheter tous les fusils qu'il veut ainsi que tous les cartouches. Et donc, euh, comme je disais à cette dame, c'est que c'est illogique pour un pays euh, qui part vers un référendum que les armes soient vendues comme ça euh, dans les rues, euh, dans chaque armerie. Et euh, une autre chose aussi, c'est que. Euh, en ce qui concerne euh, le FNLKS qui prône justement le oui à l'indépendance, le oui à la souveraineté, nous avons euh, analysé qu'ils n'ont pas de projet de société clair. Donc, quand on parle de projet de société clair pour une indépendance, euh, nous on estime, on pense que d'abord euh, il faut prendre euh, les connaissances. Donc, euh, depuis euh, 88 jusqu'à aujourd'hui, à part les programmes de 400 cadres ou autres, euh, il n'y a pas eu de programme d'émancipation euh, adapté et adéquat au niveau du peuple kanak et des autres ethnies qui vivent dans le pays. Donc du fait qu'il fallait prendre les matières grises, nous avons que deux docteurs, trois docteurs ou deux docteurs, trois avocats et c'est insuffisant. C'est insuffisant pour un pays qui euh, ou un peuple qui demande à être indépendant. Et donc, ça, c'est un retard qui a été cumulé. Je pense que ce retard a été fait exprès. Parce que euh, si on demande une indépendance maintenant et que nous n'avons pas cette matière grise, donc la matière grise, il sera obligé, on sera obligé de l'importer. Comme ça, c'est toujours fait. Et donc, on sera toujours dans une situation de dépendance, intellectuellement parlant, économiquement parlant. Puisque on parlait tout à l'heure du projet d'usine de nickel. Mais le nickel n'est pas une matière qui est euh, renouvelable. Donc l'objectif, c'était de créer, des, créer cette usine de nickel. Et si l'objectif était de mettre en place d'autres outils économiques nous permettant de diminuer les dépendances de ce qui concerne les, les produits arrivant d'Europe et d'ailleurs. Et donc tout ça n'a pas été fait. Donc on est vraiment en retard. Et après, euh, je pense que pour des personnes... Qui sont dans un mouvement de libération qui conteste justement un système colonial en place, doivent avoir des alternatives parce que on ne peut pas faire du copier-coller car on va retomber déjà. On n'est on est même pas dans l'indépendance, on pratique déjà avec nous le néocolonialisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant la commune de Kalagoumen. Donc, il est inadmissible qu'on puisse euh, aller euh, ou penser qu'on soit indépendant alors que toutes ces choses-là n'ont pas été mises en place. Et je pense que le peuple a besoin de savoir vraiment les contours et tout ce qui concerne ce référendum. Le monde est comme un petit village et les jeunes, ils se sont instruits pour la plupart et les jeunes se sont informés, les jeunes savent analyser maintenant. Et donc, il euh, n'y a pas de solution claire dans cette voie-là. Il faudrait revoir rapidement avant le référendum, euh, parce que le non euh, est sûr que qu'il qui va l'emporter. Il faudra revoir rapidement, préparer des plans A, B, C, D pour après le référendum. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas de position personnelle si je peux dire ça comme ça, puisque je suis là en tant que coordinateur de stratégie du Congrès populaire. Donc ma position reste une position euh, basée sur la motion du Congrès populaire. Donc le 24 septembre 1992, quand le Congrès populaire a été créé dans le pays traditionnel de Dieu, il y a une motion qui a été adoptée. Cette motion dit que nous devons abolir les étiquettes politiques. Donc nous avons aboli notre étiquette politique qui était le FULC, donc le parti, et nous devons euh, nous abstenir, boycotter toute élection. Et donc nous, euh, le 4 novembre 2018, nous ne votons pas pour le oui ou non à l'indépendance. Et pourquoi Il y a des raisons, il y a les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et il y a aussi une chose, c'est que, que je voudrais rappeler, qui est très, très, très important à nos yeux, c'est que quand le président de la République, M. Macron, est arrivé en Nouvelle-Calédonie, il est arrivé avec un document. Ce document vient des archives nationales de la marine royale française. Et elle représente l'acte de prise de possession de balade. Donc, le 24 septembre 1853. Et donc, s'il est arrivé avec cet acte de prise de possession, euh, ce qui veut dire que le pays a été pris au nom de l'empereur Napoléon III, il a été pris à des hauts dignitaires, qu'on appelle maintenant les grands chefs, ou chez moi, à dos, cœur qui est bon. Donc, il a été pris à ces hauts dignitaires. Et en tout, il y a eu sept. Actes de prise de position qui ont été faits au pays sur les 28 euh, pays traditionnels, pour ne pas dire districts. Et donc, nous, on travaille sur le fait qu'on doit reconstituer notre unité au niveau coutumière, se restructurer au niveau clanique, et l'objectif final, c'est que tous nos hauts dignitaires du pays auront leur acte de souveraineté. Donc, le réinversement des actes de prise de possession. Pour cela que nous euh, nous sommes pas dans un combat politique où il faut aller mettre un bulletin dans les urnes, alors qu'on sait très bien que le corps électoral du pays a été gonflé artificiellement depuis les colons feuillés jusqu'à maintenant, bien qu'on n'avait pas le droit de vote en ce temps-là, mais tout était programmé. Donc si on est euh, dans cette démarche, c'est que c'est une démarche aussi qui euh, qui se reflète au niveau international, parce que tous les peuples autochtones maintenant revendiquent leurs droits sur la base de leur structure coutumière, de leur axe coutumière, de leur philosophie coutumière et de leur système euh, traditionnel sociétal. Donc pour cela, nous, le Congrès populaire, euh, nous n'allons pas euh, voter le 4 novembre 2018 pour le oui ou non à l'indépendance. En ce qui concerne le Congrès populaire, euh, en tant qu'ONG non gouvernementale, euh, nous avons fait des démarches justement vers la première institution du pays qui est le Sénat Coutumier, mais comme euh, nos stratégies, nos doléances n'ont pas été prises en compte, d'ailleurs, je vous parle de ma tribu qui fait 25 hectares, le Sénat Coutumier est au courant que notre tribu fait 25 hectares. Euh, ce n'est pas une tribu, c'est une réserve, pour bien dire les choses. Et donc, il n'y a pas eu de, euh, de soutien à ce niveau-là. Donc, on a préféré euh, continuer dans notre voie à nous et travailler vers les clans. Donc, parce que les problématiques euh, foncières, économiques ou autres, euh, c'est les clans qui sont impactés par ça. Donc, euh, on travaille maintenant avec les clans qui veulent bien euh, comprendre et puis euh, partager avec nous leurs problèmes et aussi qu'on qu puisse partager aussi les solutions. En ce qui concerne les Nations Unies, donc là, euh, je suis venu au nom du Congrès populaire pour le 11e mécanisme des droits des peuples autochtones et notre stratégie reste toujours la même en ce qui concerne euh, les démarches pour la mise en application de la Déclaration des droits des peuples autochtones au niveau national. Et donc euh, ça s'articule au, au autour de l'EPU, l'EPU qui est un mécanisme d'examen périodique universel qui permet justement de faire passer en examen tous les quatre ans un État. Mais le problème actuel que, que l'on rencontre, c'est que quand on fait des communications, donc des plaintes euh, à l'EPU, et le problème que l'on rencontre, c'est que les, la base d'examen de l'EPU euh, est la charte des Nations Unies ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pour le droit de l'homme, de l'individu, ce n'est pas pour le, le droit des, des communautés ou des Autochtones. Donc nous, vis-à-vis euh, -vis de nos situations, comme je vous parlais tout à l'heure euh, de ma tribu, on ne peut pas aller puiser dans, la déclaration, dans les articles de la Déclaration des droits de l'homme pour faire valoir nos droits, comme on ne peut pas aussi aller puiser dans la Charte des Nations Unies. Donc, euh, notre objectif est que la déclaration des droits des peuples autochtones, euh, en complément du document final, soit incluse dans la base d'examen de l'EPU pour qu'on puisse justement puiser dedans les articles et faire valoir nos droits au niveau national. Donc, ça, ça reste notre stratégie. C'est une stratégie qu'on a développée à partir de 2012 à Alta lors de la conférence des peuples autochtones. Et. Euh, nous avons fait aussi nos recommandations en 2013 au mécanisme d'Espère. Ça a été adopté par le mécanisme d'Espère, envoyé en recommandation pour examen et étude par le Conseil de Droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de, de retour positif concernant cela. Donc nous, allons, nous avons continué à faire cette recommandation. Les réunions sont intéressantes, mais après, en ce qui concerne l'impact, euh, le mécanisme d'Espère n'a pas un vrai mandat, euh, justement, euh, pour pouvoir faire sortir les peuples autochtones de leur, de leur situation. Euh, tout, autochtone, tout peuple autochtone confondu, que ce soit ceux qui sont sous tutelle coloniale ou ceux qui sont dans des États-nations. Donc, euh, Bien qu'il euh, y ait eu des, des apports en ce qui concerne le mandat du mécanisme, euh, parce qu'il euh, faut savoir que maintenant le mécanisme espère peuvent se déplacer pour aller chez les peuples autochtones. Euh, par contre, euh, c'est au frais des organisations autochtones. Alors qu'en ce qui concerne la rapporteure spéciale euh, sur les droits fondamentaux des peuples autochtones, euh, elle a un mandat aussi euh, donné par les Nations Unies. Par contre, euh, tous ses frais de déplacement sont payés par les Nations Unies. Donc je pense que s'il si, euh, faut une amélioration concernant euh, le mandat du mécanisme d'espèce, il faudrait aussi qu'ils aient les budgets nécessaires afin qu'ils puissent faire le travail euh, qui soit aussi euh, positif pour les peuples autochtones. En ce qui concerne euh, Gomen, c'est que l'année dernière, à partir du mois de mars, nous avons fait trois euh, occupations de terre. Justement, ces occupations de terre, c'était pour euh, sortir de notre situation euh, restreinte au niveau foncier par rapport à la tribu de Tégon. Et pour le rappeler, c'est que cette tribu a été créée en 1953 par l'administration coloniale, avec une superficie de 25 hectares. Et à l'heure actuelle, on est toujours. Euh, dans cette superficie de 25 hectares. Et euh, le statut du foncier, il a changé. Maintenant, c'était accoutumière, mais on est toujours euh, dans la superficie euh, des réserves. Et donc, l'objectif euh, de ces occupations de terre, c'était d'appeler M. de Saint-Quentin-Guy. Donc, on a fait des démarches administratives vers lui euh, pour, que, pour pouvoir l'inviter, afin que l'on puisse discuter euh, justement de notre problème foncier, car il détient... 500 hectares des terres enfin, sur lesquelles on a le droit de parler en tant que dignitaire terrien. Et donc dans ces trois demandes de rencontre il n'est pas venu donc euh, nous, on va pas s'arrêter là, puisqu'en fin de compte, euh, la situation fait que les enfants, surtout les, les jeunes euh, garçons, euh, doivent avoir un terrain pour pouvoir construire et mettre en place euh, une vie euh, de famille et autres. Donc il euh, y aura des, des actions qui seront faites euh, cette année pour pouvoir euh, justement réitérer notre appel vers des Saint-Quentin et aussi... Euh, Interpeller la DRAF en ce qui concerne nos revendications qu'on a fait sur ces terres. L'objectif recherché, déjà, c'est le bien-être. Donc, le, on n'a pas avancé d'un iota. Et donc, c'est pour cela que je, dis, je disais tout à l'heure qu'on va, qu va continuer dans nos actions pour récupérer ces terres, pacifiquement, puisqu'on a une philosophie de non-violence de notre façon de travailler. Oui, au mois de, de novembre, euh, l'année dernière, on a, on a bloqué euh, une des rentrées de la mairie de Calagomen. Pourquoi Parce que ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on avait demandé justement à l'ancien maire, M. Alain Levent, une rencontre avec euh, la commission foncière. Et on n'a jamais eu euh, gain de cause, ni les lettres qu'on a envoyées. Euh, au nom de, de notre clan ainsi que les autres membres de clan, n'ont jamais eu de réponse. Et donc, avec euh, l'actuel maire, nous avons utilisé le même procédé et nous n'avons jamais eu de réponse par rapport à nos lettres. Donc, on avait décidé euh, l'année dernière, au mois de novembre, donc, euh, le congrès populaire avec le clan Chaud, le clan Tchinkamba et le clan Tebweo, justement de bloquer la mairie pour pouvoir avoir une réunion avec la commission foncière. En ce qui concerne la mairie, nous, nous avons déjà contesté des projets de lotissement qu'ils ont voulu faire sur des terres qui nous appartiennent traditionnellement. Et il était illogique justement que la commune puisse se faire des lots avec 200 logements et que nous, on, on continue à rester dans, dans cette réserve de la tribu de Tégon. Donc pour cela, on a bloqué. Après, en ce qui concerne la DRAF, euh, nous avons une, eu, eu une réunion avec euh, la mairie et la DRAF après, par la suite, mais euh, nous leur avons dit que le système qu'ils pratiquent euh, à l'heure actuelle, c'est un système euh, néocolonial. Euh, néocolonial pourquoi Parce que c'est des canards qui sont justement dans des institutions, mais euh, ils ne prennent pas en compte, pas nos revendications, nos doléances pour le bien-être. Et pour nos droits, justement nos droits traditionnels autochtones et, et claniques. Donc, la chose, c'est qu'on qu a aussi euh, vu dans cette situation entre la DRAF et la commune de Calagomen, c'est que les revendications que nous avons envoyées euh, il y a 15 ans de ça euh, à la DRAF euh, sont restées dans, dans, dans des tiroirs. Par contre, euh, sur ces mêmes lots que nous avons revendiqués, nous avons vu à l'heure actuelle que la commune de Calagomen veut faire des logements dessus. Donc il y a quelque chose d'illégal dans ce qu'ils font. Euh, et ça a été pareil pour le clan Chaud, comme ça a été pareil pour le clan Tebweo et aussi pour le clan Tchinkamba. Donc euh, ces institutions, normalement, sont censées être mises en place par l'État français euh, pour pouvoir euh, faire valoir nos droits. Je parle bien de, de la DRAF. Et donc, euh, il pratique euh, quelque chose qui est contraire à ce qu'il doit faire. Oui, la commission foncière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de chaque commune, il y a une commission foncière. Et donc, nous, on a demandé à, à être entendus d'abord par cette commission foncière. Pourquoi Parce que la stratégie du Congrès populaire euh, dans le pays traditionnel de, de Yuanga, donc de Kalagomen, est de mettre en place les cartographies des clans dignitaires terriens. Donc euh, si on a un travail euh, en complément avec la commission foncière, la commission foncière ne pourra plus euh, mettre des projets ou euh, utiliser des terres euh, pour pouvoir euh, mettre en place d'autres formes d'outils euh, sans passer par les clans dignitaires terriens. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi avoir cette rencontre et qu'on euh, puisse mettre aussi des personnes dans la commission foncière ou qui restent en parallèle. Mais que notre voix soit entendue parce qu'on se base aussi sur le principe du consentement préalable et éclairé. Donc, c'est le consentement préalable et éclairé des clans concernés. Bon, si je veux prendre le, euh, le cas de ma tribu, c'est que. Déjà pour commencer, c'est que les jeunes, ils n'ont pas d'endroit de, pour construire une maison. Donc. Euh, il est clair que quand un jeune veut se mettre en ménage ou autre, il doit avoir un pied à terre. Donc, ça, c'est un premier problème. Et après, il y a aussi le problème de la déstructuration de notre chefferie, donc de la petite chefferie de Tegon, par le biais, par le fait que la personne qui a pris cette place actuellement de chef administratif n'a pas le rôle pour cela. Et donc, tout ça euh, casse justement l'unité coutumière. Et il y a aussi le problème de la pseudo-grande chefferie de Gomen. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, chez nous, quand on dit euh, ado, cœur qui est bon, donc ça représente euh, le grand ou le petit, ou le dignitaire, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il n'y a pas de travail de bien-être, il n'y a pas de travail d'unité. Et même que la religion est là aussi, la religion n'apporte pas justement euh, ce bien-être. Donc, euh, dans notre façon de voir. Suivant l'analyse de toutes ces situations, nous pensons que nous devons nous restructurer à partir des clans et travailler en ce qui concerne la mise en place du Conseil des chefs de clans. Pourquoi Parce que c'est dans notre programme constructif et à l'heure actuelle, on essaie de travailler dans la tribu, dans ma réserve, celle de Tegon, pour remettre en place le Conseil des chefs de clans. Par contre, euh, dans le règlement intérieur, nous avons décidé qu'il n'y aura plus de chef administratif. Nous avons décidé aussi que le président n'aura pas un rôle décisionnel, mais il sera juste un intermédiaire entre les coutumiers et le monde occidental, donc les institutions. Et nous avons pensé aussi que euh, chaque clan, chaque représentant des clans qui siégera au sein du Conseil, viendra avec son rôle initial. C'est-à-dire que celui qui est dignitaire terrien représentera le clan dignitaire terrien, le clan accueilli et ainsi de suite. Pourquoi, pourquoi, je, je, mets, euh, pourquoi je parle de ça C'est parce que quand ils ont créé les conseils des anciens avant, euh, chacun prenait la parole euh, en tant que membre du conseil des anciens, mais pas suivant son rôle euh, initial. Donc nous, on voudrait que cette structure reprenne ce caractère-là ce, ce, ce caractère pour qu'on puisse vraiment avoir euh, ce que je peux dire, le consentement préalable et éclairé. Je peux me mettre, euh, on peut se mettre dans leur position, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où euh, euh, ils ne savent pas euh, comment se poser chez eux, comment se euh, de, sur les terres où leurs ancêtres ont vécu. Donc euh, ça c'est très difficile. Et euh, pour une personne qui est assez mûre, euh, je pense qu'il peut essayer de survivre dans la capitale en trouvant un travail et autres. Mais pour ceux qui sont un peu plus jeunes, les ados, s'ils si ont perdu ce que je disais tout à l'heure, la plupart des repères qui nous permettent de vivre au niveau communauté et aussi qui permet de, de, de soulever quelqu'un quand il tombe, une fois qu'ils sont dans la capitale, ils sont attirés par les lumières de la ville. Et comme vous savez, dans toute capitale, il y a les rues éclairées, il y a les rues sombres. Sombres, si je peux dire ça comme ça. Et quand on, quand on est ado et quand on tombe dans ces rues-là, deux fois c'est difficile de s'en sortir une fois qu'on a fait la case prison. Et comme ce qu'il faut savoir aussi c'est que le centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie contient presque, enfin pas presque, mais 99% ce sont des canards qui sont à l'intérieur. Et donc pour la plupart des jeunes qui ne se retrouvent pas dans leur système tribal et coutumier. En ce qui concerne euh, le film Rien ne se fait dans le ciel, et puis par rapport à la rencontre qu'on a eue avec euh, M. Dong, donc l'usine, euh, elle fait son chemin, puisque euh, s'il faut revenir sur l'usine de son existence, donc elle existe. Pourquoi Parce que ça a été une revendication euh, du FNLKS pour le rééquil rééquilibrage. Et pourquoi euh, ce rééquilibrage C'est que parce que. Euh, en ce qui concerne le nickel, euh, le gros pourcentage euh, des bénéfices allait à la SLN et à d'autres compagnies. Donc pour cela, la SMSP, la société euh, minière du Pacifique Sud, a été créée en complément euh, avec euh, la province nord et pour pouvoir justement pallier euh, à ce déséquilibre économique. Après, ce qu'il faut savoir... C'est que euh, il y a une, un organisme qui a été créé, justement, euh, la SOFINOR, pour pouvoir euh, permettre de, de recueillir les bénéfices du nickel. Et justement, là où euh, on se pose la question, c'est euh, ce bénéfice, euh, qu'est-ce qu'il fait, où il va Puisqu'en fin de compte, si c'est pour un rééquilibrage, normalement, il doit servir à mettre en place euh, des outils économiques micro ou macro, mais que ça permette justement aux kanaks et aux autres ethnies qui sont là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le combat, il a été fait par des kanaks avec aussi des autres ethnies. Mais pour le plus gros, c'est les kanaks qui ont fait le nécessaire pour que ça puisse sortir de terre, cette usine. Et donc, pour revenir à, à comment, enfin, au micro-projet. Il euh, n'y a pas de micro-projet. Pourquoi déjà euh, Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation foncière. Donc si nous, on est euh, dans une situation de 25 hectares, comment on peut développer des terres, mettre en place des projets d'élevage, d'agriculture ou de tourisme sur nos terres si on n'a pas euh, justement le foncier Donc l'argent est là, euh, on ne sait pas ce qu'ils font avec, mais... Euh... Euh, si je peux dire ça comme ça, les Kanaks euh, sont dans une situation euh, de survie, même s'il y a des mines ou des usines de nickel. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vit avec ça. Oui, c'était très enrichissant. D'abord, euh, pourquoi Parce que j'ai pu rencontrer tous les petits frères et les sœurs Kanaks euh, étudiants de Montpellier et donc euh, on se connaissait pas au pays mais voilà on a pu euh, se rencontrer ici puis ils ont apporté un, un travail euh, vraiment euh, si je peux dire riche au niveau euh, culturel donc une complémentarité euh, de leur savoir et aussi de leur matière grise et ça a été une bonne complémentarité que j'ai vu là bas par rapport à ces étudiants et on a été accueillis euh, à Najac dans le camping, camping des étoiles. Et donc ils font euh, tous les ans un festival de films. Et cette année, c'était la dixième édition. Et le 16 juillet, le thème, c'était... Euh, il y avait un débat euh, sur deux films qui sont passés, donc l'or vert euh, des Kanaks et l'autre, c'est l'esprit du Konyombo. Et donc le débat euh, qui s'en est, est suivi, est, ça concernait euh, à qui appartient la terre. Donc nous, au niveau du Congrès populaire, nous avons pu euh, apporter euh, notre complémentarité par rapport euh, à ce débat. Par contre, nous n'avons pas pu euh, faire passer le film euh, qui avait été fait justement euh, par M. Pecorini et Madame Fabienne euh, Gauthier. Et donc, nous n'avons pas pu le faire passer. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a intégré euh, ce programme euh, en retard. Et nous pensons que euh, par la suite, donc l'année prochaine, nous pourrons faire passer ce film et puis euh, axer aussi le débat sur le droit autochtone au niveau international et national. Euh, je voudrais euh, d'abord euh, revenir aussi sur le fait que ce qu'on a ressenti là-bas à Najak euh, était vraiment une énergie positive. Les gens euh, qui nous ont accueillis nous ont accueillis avec, euh, avec le cœur et donc euh, on peut aussi euh, dire que ça a été fait dans les deux sens et on est parti aussi riche euh, de ce qui était vie sociétale et aussi de ce qui était énergie euh, des gens de Najak et de la terre de Najak.